suis né dans le Cotentin. Et puis c'est vrai que les marins boivent, la mer boit les marins, c'est très rigolo tout ça. Moi j'aime bien tout ce qui est liquide, tout ce qui est transparent, tout ce qui est diffus, tout ce qui coule entre les mains, tout ce qui salive en quelque sorte. Quoi. Je pense que c'est tout ce qui peut rester de nous, et puis c'est bien. Il pleut sur la mer, et ça sert à rien qu'à noyer debout le gardien du phare. Le phare, il y a beau temps qu'il n'a plus de gardien. Tout est électrique, il peut bien pleuvoir. Aujourd'hui, dimanche, sur la Manche. Il pleut sur la mer, c'est une chanson qui parle d'abord du Cotentin, qui est mon pays de vacances d'enfance, avec un pays que j'aime profondément, parce que j'aime ses couleurs, j'aime le sable sale, les vieux bunkers, les ciels gris, la mer couleur mer vert, comme dit Nougaro. Et c'est d'abord ça, quoi. C'est d'abord un climat que j'aime bien voir, que j'aimerais bien décrire plus souvent. Peut-être un jour en prose, mais enfin. Il y a une phrase qui dit toujours « il pleut toujours où c'est mouillé ». C'est une phrase qui est assez juste. La misère appelle la misère, souvent. Mais je n'ai pas voulu forcément penser à ça. Mais c'est quand même beau, quand il pleut sur la mer. Il pleut sur la mer, ça nous ressemble. De l'eau dans de l'eau, c'est nous tout cachés. Et nos yeux fondus au cœur de septembre. On regarde rouler des larmes gâchées. Je suis quand même profondément marqué par la banlieue parce que pour moi c'est ni une contre-culture ni une culture en marche, c'est une culture toute bête et toute simple. Je pense que toute capitale a rejeté autour d'elle des morceaux, une certaine âme d'elle-même. Et tout provincial que je suis, j'habitais en banlieue. Il se trouve que j'habite maintenant en banlieue parisienne, mais je retrouve les mêmes gens, c'est-à-dire des gens qui à l'époque travaillaient, qui des gens aujourd'hui ne travaillent plus, mais qui ont gardé une espèce de gouaille et de hauteur sur la capitale, qui se croit tout permis. Sur, ils étaient tout à l'heure en rigolant avec un pote, en cherchant des idées. Ils disaient la capitale, c'est le milieu et les pétales, c'est la banlieue. Je crois que c'est une image. C'est un scoop, ça. Le copain de mon père, il venait en bout de moi. Là, 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 là. On lui servait un verre, il s'en resservait au roi. La 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 la. C'était un roi déchu, une épave, un fantôme, qui pointait au chaume du, en attendant son trône. J'aime les cafés parce que c'est mon église, c'est mon bureau à la fois. J'aime bien y écouter les gens, y voler des paroles. C'est les gens, en fait, qui écrivent leurs chansons. Nous, on est là, on est des scribes, on récupère. Et puis, on en fait quelque chose, on essaye de le magnifier et de le redonner après. Et c'est peut-être comme ça que se produit cet échange étonnant que produit la chanson, quoi. Enfin, entre les gens et le public et le chanteur, sans grand C, quoi. C'est, je pense, quand les gens se sentent, se reconnaissent dans une chanson, qu'elle soit drôle, qu'elle soit pathétique,
Je pense que c'est le seul remerciement qu'on peut en avoir, quoi. Mais les chansons, on ne sait jamais quand elles naissent, ça met des fois assez longtemps à s'écrire, à naître, à sortir. Alors je ne sais jamais jalonner le moment où... Parce que ce sont des petits bouts d'existence comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre jour d'après, quoi. Alors... je pense jamais à un concept, à une histoire. Il y a probablement encore un petit retour vers l'enfance. C'est pas du passéisme ou de la nostalgie. Je pense que c'est important d'avoir de la distance pour parler des choses et en reconstruire d'autres. Mais j'aimerais bien certainement travailler dans un style musical différent. Je pense que faut pas s'installer dans un style. Y a des formules musicales qui me plaisent beaucoup. Les murs sont tombés en musique. Il y a 10 ans, il était inconcevable, je veux dire, que la chanson à texte se mélange au jazz et que le jazz se mélange au rock alternatif, etc. Et tout. Aujourd'hui, on peut tout bouillir, tout ça. Et ça reste de la musique. Ça reste de la chanson. Un désordre de coussins, les draps découpés, ton dessin. J'ai voulu laisser mon empreinte. Dire que je fais de la peinture, ce serait vraiment très prétentieux. La peinture, c'est quelque chose qui est fascinant, quoi. Et je fais un métier qui, paradoxalement, est assez contradictoire. Je veux dire par là que la peinture, elle me sert quand j'ai rien à dire. C'est les mots qui manquent en quelque sorte. Et pour être admiratif devant les peintres, je sais que ce sont des gens silencieux. Moi, je suis un perpétuel bavard, un peu comme tous les saltimbanques, quoi. Alors, ça produit une peinture un peu bizarre, mais je considère que je peins pour moi, c'est pas tellement... Une peinture à montrer, à preuve que j'ai plutôt tendance à peindre sur mes murs. Donc c'est pas des choses qui se déménagent. Mais encore une fois, c'est pour combler des vides, quoi, pour jamais être inoccupé. Parce qu'il arrive, quand on écrit des chansons, qu'on n'ait plus rien à dire. Et on s'aperçoit que des formes, des couleurs, etc. arrivent à mastiquer tout ça. Le gardien du phare. Le phare, il y a beau temps qu'il a plus de gardien. Trop de voix. Tout est électrique, il peut bien pleuvoir. J'aime pas les musiciens fonctionnaires, quoi. Certains, quand quelque chose se passe, quand la complicité se noue, quand on sent qu'il y a un travail d'amour, espèce de travail de forme, l'argile autour de la chanson, ça et tout se forme. Il faut pour ça bien les connaître, il faut qu'ils nous connaissent bien, quoi. J'en ai 3 qui parlent pas musique, quoi. J'ai pas l'impression qu'ils font la musique derrière, j'ai l'impression qu'on tresse la même histoire ensemble. Quand j'ai démarré ce métier, d'abord, je pensais pas, moi, tout jeune, que ça pouvait même être un métier. La galère, elle reste plutôt pour sans parler ancien, quoi. Dire un chanteur qui aurait 20 ans aujourd'hui, ça serait probablement plus difficile que l'époque que j'ai traversée, où il existait encore des cabarets, des premières parties, des gens qui se déplaçaient réellement dans les salles de spectacle, des producteurs petits ou moyens. Et il y a peu de jeunes qui arrivent à trouver
Il pince Monseigneur pour ouvrir les portes, quoi. Donc, heureux de vivre de ce métier, d'avoir réussi à en vivre, à me faire écouter, quoi. Mon amour, je t'écris dans le Boeing en feu qui plonge vers la mer. Je ne reviendrai plus d'Osaka à Tokyo. Je suis devenu vieux et je fais sur la terre ce qu'il aurait fallu. Je prie pour qu'on retrouve ce dernier mot de moi sous centaure d'acier au fond de l'océan. Devancer la montagne, mon cœur sur la paroi se brisera bientôt. Embrasse les enfants. Je te vois au hublot et le petit qui court sur le flanc des nuages. Il ne faut pas qu'on pleure. Si j'avais su qu'hier était le dernier jour où je tenais vos mains, j'aurais été